Mon parcours, alors j'ai commencé le foot déjà très tôt. J'ai commencé à 5 ans. Après, j'ai commencé à roncer dans un petit club avec mon frère. Ensuite, je suis parti à Coutances où j'ai joué pas mal d'années. Ensuite, je suis parti dans une école de foot et en même temps, je jouais sur Saint-Lô pendant un an. Et après, j'ai intégré le centre de formation à Caen. J'ai intégré à l'âge de 13 ans. Après, j'ai fait toutes mes classes à Caen. J'ai signé pro à 18 ans. J'ai signé 2 ans. Ensuite, au bout d'un an, j'ai cassé. Je suis parti en Ligue 2 à Châteauroux pendant 3 ans. Après mes 3 ans de Ligue 2, je suis parti un an en National. Et cette année, je suis arrivé ici à Tubize. Caractéristique de mon jeu, c'est je suis un joueur assez agressif. C'est vrai que je lâche rien. De la première à la 90e, je suis vraiment dans mon match. Je suis comment dire, je suis vraiment compétiteur. Après, ouais, mon exemple, c'est Philipp Lahm, parce que voilà, c'est un joueur qui est polyvalent. Pour moi, c'est un joueur complet. Voilà. Je me sens super bien ici. C'est vrai qu'au club, c'est un club déjà familial. Je suis agréablement surpris. Ensuite, on a un super groupe, un super staff. Donc pour ça, tout est positif. Après, la vie en Belgique, franchement, ça se passe super bien. On a pu découvrir un peu le pays que je connaissais pas du tout. Et honnêtement, je me sens super bien. Il y a des super villes. Avec ma femme, on va faire 2-3 jours à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est super sympa. Non, moi je sais que voilà, ça fait maintenant 6 ans que je suis professionnel et après j'ai eu beaucoup de blessures et des graves blessures, dont deux croisées, une hernie discale opérée, fracture du coup de pied. Donc j'ai eu un passé un peu difficile dans les blessures. Donc personnellement, c'est d'abord enchaîner les matchs comme j'ai pu le faire l'année dernière, j'ai fait une saison pleine, ça m'a fait énormément de bien. Là cette année c'est pareil, j'enchaîne bien les matchs, donc pour moi c'est vraiment essayer de. J'ai entre guillemets les mêmes ambitions que le club. Le club a envie de grandir, moi aussi, donc on a envie d'aller voir l'étage supérieur, ce qui est normal personnellement et pour l'objectif du club. Donc voilà, je pense qu'on tire dans le même sens. Donc c'est pour ça aussi que je me plais aussi bien ici. Au match référence, moi je suis un joueur très très exigeant, donc à chaque fin de match qu'on ait gagné, je suis satisfait bien sûr, mais. Je suis un internel insatisfait, entre guillemets. Moi, c'est vrai que qu'on perde, qu'on gagne ou quoi, mon match, j'ai du mal à être lucide avec moi-même. Donc, je peux toujours faire mieux, ça je le sais. Donc, référence sur un match comme ça, honnêtement, j'en ai pas. Après, moi, je vais parler collectivement. Notre plus belle victoire, c'était contre l'Union. Hein, déjà, un stade qui était magnifique. Après, on a joué à 10 contre 11, on gagne 1-0. Donc, pour moi, c'était magnifique. Non, je remercie tous les supporters d'avoir voté pour moi. C'est vrai que ça me fait énormément plaisir. Après, si vous m'avez nommé, c'est aussi grâce au collectif. Donc, je vais vraiment mettre toute l'équipe en avant. Mais c'est vrai que personnellement, ça m'a fait super plaisir.